gros zoom sur toi. Bonjour à tous. Comme vous le voyez avec nos équipements d'Esquimaux, il fait très chaud. Il fait moins 5 degrés. Et on va vous montrer quelque chose. On commence à faire petit à petit le déménagement. Alors on n'habitera pas ici tout de suite, parce que vu le nombre d'allers-retours qu'on doit faire, je vous laisse imaginer. Mais là, regardez, elle s'occupe bien de mon petit écran d'ordinateur. Et là, il y a une petite télé, histoire qu'on ait un petit bruit de fond quand on travaille, ce sera bien sympathique. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. On va aller chercher le début de notre cuisine. Donc aujourd'hui on est le 13, 14. On doit être le 13 ou le 14. Donc on a les meubles, mais on n'a pas encore les portes. J'ai dit ouais, mais est-ce qu'on peut venir au moins chercher les meubles? Parce que les portes, on n'est pas obligé de les mettre tout de suite, on peut les mettre après. Si on a les meubles, on peut déjà commencer à mettre les plans de travail, même commencer à ranger dedans, hein, parce que mettre les portes, on peut le faire de l'extérieur. Alors du coup, elle a dit bah oui, bah on vous prépare ça et vous pouvez venir demain à 16h. Ben parfait, comme ça au moins on pourra commencer à... Alors, vous allez voir qu'on a acheté quelque chose pour avoir une cuisine, le temps de la recevoir, parce que quand on avait demandé, on a dit il y a des gros retards dans les cuisines. On s'est dit, on va se retrouver dans le brin. On a acheté une cuisine. Alors, vraiment pas cher, et c'est vraiment pas une cuisine. C'est deux, trois petits éléments, histoire de pouvoir commencer à ranger. Et dans tous les cas, cette cuisine-là, je la connais bien, vu que j'ai eu à ma maison. C'est une cuisine brico-dépôt. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Et je sais qu'on peut encore trouver les éléments. Donc ça, c'est le gros avantage. Du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Je peux la mettre soit dans mon hangar par la suite, ou la stocker dans ma cave pour la mettre dans la maison derrière par après. Il y a plein de choix qui sont possibles. Je mets comme ça parce que j'ai trop mal à mon bras. Montre-moi pas, je fais peur, moi. Je suis malade. T'es malade? Ouais, malade. Bah, c'est vrai que de ce temps-là, à faire chaud-froid, là, depuis 2-3 jours, parce qu'on prépare, on met dans la voiture, on ressent, on rentre et tout. J'avais allumé la cheminée, j'avais fait tirer à fond de balle parce qu'on a été congelé. Je crois que c'était pas la meilleure des idées parce que le chaud-froid, c'était pas bon. Bon, du coup, on arrête de blablater puis nous on va commencer à tout rentrer parce que là je peux vous dire qu'il y a du taf. C'est parti. Bon, forcément, hein, quand on met un bonnet, ça fait tout de suite pas pareil. Je vous montre la cuisine. On avait acheté ça en attendant pour pouvoir commencer à ranger des trucs, tout ce qui s'ensuit. Et je me suis dit par la suite, je vais la réutiliser. Sauf que ben, si on a la cuisine cet après-midi, ben, elle va juste me faire chier pour rien. Bon, qu'est-ce qu'on a en train de faire? Montre-nous ce que tu as dans tes mains, Déborah. Un porte-télé. Un porte-télé. Je sais pas comment ça s'appelle. Un support mural fixe pour télévision. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris mes points de repère pour l'installer. On va mettre des chevilles moulis. Et puis après, on va installer le support. Alors, vous inquiétez pas, hein, là, j'ai mis 6 vis. Je vais mettre 6 chevilles moulies. Ma télé était accrochée au plafond avec 4 chevilles moulies, dont une qui était foutue. Ça n'a pas bougé en plus de 3... Oh, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? En 4 ans. 4 ans, elle n'a pas ça bougé. Ça fait pas 4 ans. Non, mais ça fait 3 ans, mais j'ai ça mis va, un an avant qu'on soit ensemble. Donc, 4 ans. Donc imaginez. Et en plus de ça, on peut préciser que souvent on tapait notre tête aussi. Du coup voilà, le maître laser, on se met droit. C'est vrai que avant on faisait avec un niveau et tout. Purée, là j'ai mis ça. On se met et basta quoi. On trace nos repères et c'est parti. Allez, la boîte à chevilles moulies, mes chevilles moulies. Ça j'ai pris des rondelles plus grosses au cas où, mais je pense pas qu'il y en a besoin. Je vais quand même en mettre. Parce que je trouvais que les rondelles étaient pas très très grosses quand je l'avais mis à mon plafond. La choqueuse pour visser et c'est parti. Audio Hub Preview. We'll be right back.
Audio Hub Preview. Ça bouge même pas d'un poil. Là, il faut arracher la plaque de placo complète, sachant que je sais que j'ai un rail qui passe ici. Alors, vous allez me dire, bah, pourquoi tu te fixes pas dans le rail? Le problème, c'est que je sais pas où il est exactement. Je vais pas faire 15 000 trous. Alors, c'est con, je peux mesurer du mur et me mettre à 180 et mettre des vis. Mais rien que là, c'est déjà du béton. Donc là, on va essayer avec des beaux de mettre la télé. C'est parti. Oh, garde tes microbes. Tu les expulses de mon contenu. Arrête. Bon, du coup là, on repart à la maison. On va passer à KFC. On est mardi, il y a les box à 7 euros là. J'adore le poulet, donc moi ça me va. Comme ça, on mange en speed sur la route et on continue à déménager. Donc là, je vais chercher mon bureau, les petits meubles, parce que les grands meubles à deux, c'est impossible de les prendre. Donc pour l'instant, on va prendre un maximum, on a pris la remorque, je sais pas si on la voit. Et on va aussi essayer de passer à Leroy Merlin pour aller chercher les plans de travail. On va y aller à l'heure du midi, comme ça au moins il y aura moins de monde. Allez, nous on fait la route, parce que c'est vrai que là on va perdre un temps monumental sur la route, vu qu'on a à peu près 1h10 aller-retour. Ce qui fait qu'on perd du temps, mais bon, c'est ça un déménagement, hein, ça fait partie du jeu. Et là, des poils conduits parce que j'ai été au téléphone avec Orange, parce que pour faire écraser la ligne, pour la faire ramener dans une autre maison, sachant que j'ai fait ouvrir une ligne à Divion pour avoir internet, c'est un peu un schmilblick. Du coup, normalement, d'ici le 19, tout devrait rentrer dans l'ordre. Allez, nous, on continue la route. Qu'on a mis une heure à mettre une table et qu'elle est partie pisser parce qu'elle a failli se pisser dessus. Pourtant c'est une table, je la soulève à deux doigts, hein. Mais bon, une heure pour mettre une table dans une remorque, j'en reviens pas. Allez, on continue. Comment ça fait bizarre que tout soit vide comme ça. Oh. Bon, on va de refaire un aller-retour. Alors il fait combien, moins 3 là encore? Il doit faire encore moins 3 et on crève de chaud. Là on a fait les gros meubles. Et de toute façon le truc le plus gros à ma maison, ça va être la vitrine et le frigo. Là avec des beaux, je pense que c'est pas la peine, c'est prendre des risques pour pas grand chose. Et le frigo il coûte assez cher. Mais là tous les meubles on a réussi à le faire à deux. En fait l'avantage c'est que on a mis la remorque à ras des marches, du coup bah, de la remorque on a pu la mettre directement, quasiment directement dans le sas d'entrée, ce qui fait qu'on était déjà à la bonne hauteur, ça c'était l'avantage. Mais crevant. Du coup là on se dépêche, on va chercher les meubles de cuisine, après on refera un petit aller-retour à la maison pour reprendre des bricoles. Et on... alors est-ce que c'est pas... Non, je pense que le mieux de tout, c'est quand même de refaire un aller-retour parce que c'est quand même assez tôt. Au pire, on finira tard ce soir, mais on commencera à monter des meubles de cuisine. Ou alors, au moins débarrasser la maison, parce que là, le souci, c'est qu'on ramène nos meubles, mais il y a tellement de trucs qui traînent. J'aurais été trop, j'aurais continué à faire les plaintes parce que après, on va se bloquer avec les plaintes. Bah, tous les meubles, t'as juste à les décaler un petit peu. De toute façon, on verra ce qu'on va faire. De toute façon, il faut faire les plaintes, dans deux jours, il faut faire les joints, donc il faudra quand même les rebouger. Donc dans tous les cas, il y a encore plein de trucs à faire. Et ça, c'est l'inconvénient d'habiter dans une maison en travaux. C'est que bah, vous allez devoir toujours tout bouger, recommencer. Mais bon, ça fait partie de l'aventure, ça donne un peu de défi et ça, c'est assez marrant.
on en chie un peu là, mais ça fait plaisir de voir que ça. Enfin, ça fait plaisir et bizarre en même temps, déménagement. Quand vous avez toujours habité au même endroit, c'est vrai que ça fait bizarre de le changement comme ça. Surtout que nous, on n'est pas trop fan du changement de base. Mais bon, allez, on continue. Bon, désolé pour la qualité, mais il fait déjà noir. Forcément, il est. Pourtant, il est que 17h. C'est l'hiver qui veut ça. Donc là, on est sur le retour. On a été chercher la cuisine. Donc en fait, on a tous les meubles, mais on n'a pas les portes. Alors en soi, c'est pas grave. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est juste pouvoir monter pour pouvoir, vous savez, faire les réglages de plan de travail et tout ce qui s'ensuit. Toi, j'essaie d'aller doucement. Ouais, ça glisse à les cartons. Et du coup, là, on va chercher nos deux petits bébés. Et après, on va à Divion déposer tout ça. Et on va commencer à monter mon bureau. Parce que le plus important, c'est l'ordinateur. Parce que sans ordinateur, il n'y a pas de vidéo. Sans vidéo, vous n'êtes pas content. Quand vous n'êtes pas content, je suis pas content. Et non, on peut continuer encore longtemps comme ça. Si. Non, du coup, ouais, on va essayer de monter. Là, on a quand même, avec le chargement, là, les plans de travail et tout, on a quand même pour un petit moment. Donc, on va arriver là-bas vers 18h, 18h30. Donc, on verra combien de temps tout ça va prendre. Mais là, je suis content. On va bien avancer. On commence vraiment à avoir une vraie maison. Là, il y a des meubles. C'est le bordel, attention, hein, c'est le bordel. Hein. Mais ça fait plaisir de voir que tout est en train de prendre forme. Du coup, voilà, allez, regardez la petite cuisine. Alors là, elle prend pas beaucoup de place, mais il y en a encore plein dans la remorque. Hein. Mais ils vont plus. Ouais, mais après, c'est que des portes, ça prend pas de place. Allez, on sac dedans. Bon, qu'est-ce que j'ai foutu là? Bon, du coup, vous avez vu, on commence à ramener des choses. Là, même mon petit meuble, l'autre télé. Donc, il y en a encore plein dans le Kangoo, mais je vais d'abord essayer de monter un petit meuble de bureau. Alors, je voulais récupérer mon ancien bureau, hein, comme vous voyez. J'ai préféré acheter mes plans de travail définitifs tout de suite parce que vous allez voir que j'ai un PC assez gros et assez chiant à monter. Ça va m'énerver de le faire pour refaire, pour refaire, pour refaire. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez, une fois on est allé à Aldi, on avait eu ces petits meubles-là pour 20 euros. Bon, on va les monter, on va voir ce que ça dit, tout simplement. Allez, c'est parti. Bon, du coup, je vous montre. Là, j'ai fait le premier de mon bureau. Vous inquiétez pas, ça restera pas comme ça. Là, c'est en attendant de terminer, de faire une finition. Là, je suis seulement en train de l'adapter. Donc là, je vais mettre un deuxième plan de travail en décalé pour pouvoir mettre les écrans au-dessus pour que je puisse avoir le maximum de place pour travailler. Alors, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Je vais vous montrer tout de suite après. Bon, donc là, j'ai bidouillé ce que je voulais. J'ai fait avec des cubes de... Comment ça s'appelle? Des cubes de palettes. Et je vais faire un style après. Je sais pas si ça va faire beau. Au pire, je changerai. Mais pour l'instant, je fais comme ça. Donc ça, c'est un arrêt pour savoir où je dois me mettre et le fixer. Donc là, je vais voir si debout ça va mieux pour qu'elle puisse le porter, parce que tout seul, je le porte jamais, ce truc. Il pèse un âne mort. Là, c'est THE plan de travail. On est vraiment sur du top du top. Et franchement, c'est vrai que ça fait du bien de travailler avec des bons produits comme ça. On sent la différence quand on compare à mes anciens plans de travail. Avant, je prenais les premiers prix comme ça. Alors, ça fait le taf, hein, mais là... La finition et tout, rien à voir. Et c'est pour mettre de la merde, autant rien faire. Là, vraiment, c'est pour moi. Je voulais me faire plaisir. Donc, bon, après, il n'était pas non plus beaucoup plus cher. Ça, là-bas, j'avais payé 38 euros. Là, j'ai payé 63. Bon, quasiment le double, mais déjà, il fait pas 2,40 m, il fait 3 m. Et il fait 38 mm d'épaisseur. Et c'est du bon plan de travail. Allez, je vais essayer de le poser. Bon. Il serait peut-être temps de s'arrêter. Donc là, je suis content. J'ai réussi à mettre mon PC, j'ai mis Internet. Alors, j'ai vraiment fait le B.A.B.A. J'ai rien branché, tout ce qui est micro, caméra et tout. J'ai aussi tous les câbles qui passent n'importe comment. Donc là, par la suite, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre mes deux écrans, les petits écrans au-dessus pour gagner encore en espace de travail. Et puis, je pense que ça fera plus propre et ça va cacher les fils. Et au moins, on veut remplacer. Donc là, comme vous voyez, grand bureau,
très grand bureau même. Donc là, c'est en attendant de trouver une solution de comment je peux faire. Parce qu'avec le poids, il plie vers l'arrière. Donc j'ai été obligé de mettre un pied au milieu qui me dégoûte un peu. Mais bon, pour l'instant, pas le choix. Il faudrait que je trouve un autre système. Et les caisses blanches sont légèrement trop hautes. Alors c'est soit j'enlève les roulettes et je laisse par terre et ça m'arrange pas parce qu'elles vont glisser. Soit je fais une entaille tout le long dans le bas du truc. Ce qui peut être possible. Donc pour l'instant, elles resteront ici. J'ai mon soldat Brian qui est en train de mourir. Du coup, voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ici que tout le plus gros de mes journées après le garage se passe. C'est là où je passe la plupart de mon temps. Hein. Déborah, quand elle en a marre, elle sait très bien que je viens ici et je l'embête plus. Voilà. Alors avant, je jouais beaucoup. Mais ça, c'était avant. Avant, je changeais d'ordinateur tous les 2-3 mois. Celui-ci, ça doit faire... Oh, combien de temps, Débo? Oh, ça fait plus d'un an. Plus d'un an que j'ai pas changé d'ordinateur. Il y a des priorités dans la vie. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voyez une différence entre les vidéos, c'est parce que, ben, j'ai voulu faire un timelapse, mais mon téléphone n'avait plus de batterie entre deux, donc forcément, il a lâché. Donc j'ai essayé de prendre la relève avec le téléphone de Débo, mais j'ai l'impression qu'il filme en 10 images par seconde. J'ai l'impression que ça bouge bizarre. Mais enfin, j'espère que la vidéo sera pas trop dégueulasse. J'essaye de plus trop bouger, je vous promets que je me concentre. Parce qu'il y en a plein qui disent qu'ils sont malades quand ils regardent mes vidéos. Je suis désolé, j'essaye de faire un effort. Bon, sur ce... Prenez soin de vous. Déborah, elle va aller prendre 2-3 petits médicaments là, je pense, parce que ça commence vraiment, vraiment à peiner pour elle. Regardez, la pauvre, elle s'est mise dans le lit depuis qu'on est arrivé, depuis 20h. Il est quelle heure? 23h38. Aïe, aïe, aïe. Enfin, allez, on va aller se soigner, on va aller se reposer un petit peu, puis demain, on va reprendre tout doucement. Allez, sur ce, prenez soin de vous, et on vous dit à la prochaine. Ciao!